ce qui s'appelle vouloir. Cette année j'allumerai le couloir droit et puis je prendrai le pouvoir. Ça c'est je suis revenu pour le maillot, pas pour le sale herbe. J'enquirai les buts en classico, je mettrai Paris à terre. J'aime l'OM, le club, et supporters. Quand je marche j'ai des frissons pour enflammer la foule. Et ben je mets des... Yo les gens, nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va tout de suite partir à la première image. Donc ce qui est annoncé, Pape Diouf. Pape Diouf, personnellement je ne suis pas pour le retour, donc je ne lui aurais pas conseillé de revenir à l'OM. En règle générale, le retour ne se passe jamais comme on pense. Donc voilà ce qu'a annoncé Pape Diouf en conférence de presse. Moi je pense qu'il aurait dû revenir et il a fait un bon choix et après on verra. Donc là on passe à la première image. Donc Talk Show qui va pour l'humiliation. Le Talk Show du Fossien avec Emmanuel Beranquet, Bastien Corlier, Romain Kunti, Maxence Vlop, présenté par Romain. Donc c'est l'humiliation de Marseille face à Paris qu'ils vont présenter ce soir. Donc une autre image, donc là je pense c'est un supporter de Paris qui a posté cette photo, donc super Julien Cazard. Donc voilà, j'ai pas trop compris son image, si vous voyez ce que c'est, dites-moi en commentaire. Donc là c'est la prochaine image, donc c'est Bernard Tapie qui a annoncé qu'il avait rentré ce match. Bernard Tapie Junior récompense dans ce match du week-end une ou deux appels de balle. Mais si vous pouvez m'expliquer quel était l'optique du match, un pressing très haut, je n'ai rien compris à part qu'on a pris une belle vie dans la gueule et que ça va être très dur à cicatriser. Voilà la différence entre les deux équipes et totale tactique et qui mandale ce qui a dit Bernard Tapie. Donc prochaine image, donc c'est Léonard Dejardim, qui a annoncé en conférence de presse qu'il allait faire tourner l'effectif pour le match AS Monaco-Marseille d'après ce qu'il a vu. Donc Paris Saint-Germain, l'appui de Marseille 5e pour le Paris Saint-Germain. Donc d'après son nom. Donc là on passe tout de suite à la dernière image. Donc mercredi on était dans un match Champions League, le militaire du PSG revient sur la victoire de son but avec le 35e. Donc voilà, je pense qu'ils se vendent un petit peu, mais voilà, 5e c'est vrai que c'est une belle victoire. Du coup c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos ou sur des autres clubs, dites-le moi en commentaire. Yo.